Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Le marché boursier d'Abu Dhabi a terminé en hausse, prolongeant ses gains pour une cinquième session consécutive. Morrisons a accepté un rachat mené par Fortress Investment Group, propriété de SoftBank, qui valorise la quatrième chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne à 8,7 milliards de dollars. Au premier trimestre de cette année, diverses banques centrales détenaient 287,46 milliards de dollars US de RMB chinois dans leurs réserves officielles de change. La paire euro-dollar a connu une légère hausse de 0,1% lors de la dernière session, selon l'indicateur CCI, nous sommes dans un marché survendu. Le dollar a chuté de 0,4% par rapport au yen japonais lors de la dernière session, l'indicateur MACD donne un signal baissier. Le Bitcoin a augmenté de 0,4% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange, l'indicateur stochastique RSI indique un marché suracheté. La dernière session a vu l'or gagner 0,5% contre le dollar, le signal baissier de l'indicateur ROC est conforme à l'analyse technique globale. Le PMI Market des services de l'Espagne sera publié à 7h15 GMT, la production industrielle de la France à 6h45 GMT, les dépenses globales des ménages du Japon à 23h30 GMT, le PMI des services de la Jibun Bank du Japon sera publié à 00h30 GMT, le PMI Market des services de la Grande-Bretagne à 08h30 GMT, les ventes au détail de l'Australie à 01h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.